Salut tonton Thomas, c'est Mani. Et voici donc ton slash DVD fini avec la carreau peinte. Donc une Proline SC Fusion, qui est pratique parce qu'elle est vraiment aérodynamique. Tu voulais du noir et du orange. J'ai fait un essai, j'ai pris un autre noir, mais qui s'avère être plus du gunmetal en fait que du noir, puisque j'entendais explorer la gamme de peinture Proline. On t'a mis un orange fluo qui a été mélangé avec un reste de orange métallisé parce que j'aime bien faire des petits mélanges pour essayer différentes teintes. Je sais pas si ça se verra bien à la caméra, on est peut-être un peu sombre comme ça là, mais quand tu es dehors, quand la lumière reflète dessus, comme c'est la peinture métallisée, ça va super bien, surtout que là aussi c'est de la peinture métallisée. On a resté sur du sticker noir et blanc pour rester dans les tons et ça va très bien. Bloc moteur aussi est noir et orange. On est donc comme il faut. Pas de souci. Tu as des Proline Blockade à l'avant et les autres à l'arrière. Tu peux bien sûr inverser selon le type de terrain. Si dans le sable fin, tu mettras les petits picots derrière. Si sur le terrain plus dur, tu laisseras les gros crampons à l'arrière. On a un max de débattement. Évidemment, quand c'est posé, ça a l'aéro, mais quand la batterie est dedans, ça va bien. Faut pas oublier qu'en deux roues motrices aussi, il y a une grosse différence sur l'essieu avant, puisque la suspension, quand tu comprimes, recule. La roue fait ce chemin-là, alors qu'en 4x4, elle fait ce chemin-là. C'est pour ça, souvent en 4x2, on a l'impression que la roue est trop loin devant, mais tu vois, quand elle s'enfonce, elle va bien dedans. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas se faire piéger, parce que si tu la mets bien au bon endroit, quand tu recules, tu vas aller taper là-dedans. C'est pour ça qu'il y a des fois des carreaux qui sont faits différemment pour 4x2 et 4x4. Moi, je suis assez content de mon travail. Là, pour masquer, j'ai utilisé uniquement de la bande de masquage. J'ai eu peut-être une ou deux blagounettes de petits nuages de poussière qui est passé. J'avais pas suffisamment frotté dessus. Pas bien, Mani. Pas bien. Pas assez patient, Mani. Je t'ai laissé les vitres transparentes, parce que moi j'aime bien. De toute façon, après, dans le ton, à l'intérieur, j'ai mis une espèce de d'après anti-rouille. Non, c'est bien de la carrosserie. C'est de la peinture Tamiya pour l'accent. J'aime bien finir avec la peinture Tamiya pour l'accent en dessous, pour la simple et bonne raison que ce sont des vernis avec des solvants et ils sont beaucoup plus durs, donc tu rayes moins vite à l'intérieur qu'avec les peintures à l'eau, comme c'est le cas avec les Proline et les Parma. Un petit peu de scotch fibré là où ça peut frotter. Donc à bord, on t'a fait une fixation correcte pour le variateur. Tu peux lever la caisse par là, c'est que ça va bien. Bouton off fixé sur le vario, comme ça quand tu dois démonter pour le nettoyage, c'est vite fait. Tout va bien, tu mettras évidemment ta radio à toi. Servo, comme je l'ai dit, donc le servo option métal Traxxas, amorto Hobbitic, qui marche ici à merveille sur ce bestiau. À toi de voir, donc comme dit, si tu les veux un peu plus souples ou un peu plus fermes. Moi je trouvais que c'était pas mal là pour faire un peu de tout type de terrain. Pour le gros tout terrain, il faudra certainement par contre les assouplir, notamment à l'arrière. Mais là, franchement, moi j'aime bien, ça atterrit super. Ça fait bien le taf. La carreau fusion est un peu plus courte. Je pense qu'ils ont fait ça pour tricher un peu aussi sur le poids de la bestiole au total. Avantage, le pare-choc est vraiment loin derrière. Donc tu n'arraches pas les ailes. Ça, c'est pas con du tout. Je te laisserai aussi, si tu le veux, moi je ne l'ai pas fait, découper comme je l'avais fait sur l'incassable. Ici, tu peux découper donc les rainures. Et franchement, ça marche vraiment du tonnerre. Si ta caisse monte trop vite sur deux roues motrices tout le temps sans arrêt, je peux que te conseiller de faire la découpe ici dans la grille avant. Et les découpes ici à l'arrière, ce qui fait que vraiment l'air qui va se prendre dedans, là quand tu es dans cette position là, quand ça va lever, l'air va se prendre sur le pare-brise et se servir du pare-brise comme aileron. Le reste de l'air qui est passé en dessous va ressortir par derrière et faire exactement la même chose. On aura une pression ici sur la carreau, ça va globalement tirer l'engin vers le bas. Bon, après c'est dans les grandes lignes, hein. On parle pas d'ici d'une machine qui roule à 150. Tu as un 4700 kV. Donc c'est prévu en 2S, tu peux grimper sur l'étagement, sur le pignon, là on est un bon petit 60-65, comme il est là. Moi je trouve que c'est pas mal, ça devrait être pas mal aussi avec tes ptios. Ça vous êtes tous à la même enseigne en fait. Si tu veux aller plus vite, tu mettras un pignon un peu plus gros. Et au pire, si vraiment ça suffit pas, on passera sur un moteur qui prend 3S et on te mettra 3S. Mais sur 3S, il va falloir monter les roulettes, hein, parce que c'est du 2 roues motrices, donc gaffe. Hein. Et que dire de plus? Rien d'autre, que j'ai envie de le garder là un petit moment, juste parce que j'aime bien, j'aime bien. Évidemment, les stickers de chez Little Car Addict, c'est clair.
Et le reste, c'est chez moi. Voilà, on va mettre, regarde, sur la caisse au petit bleu. Ah, dans les tons du garage. Ça, ça le fait. Hein, c'est sympa quand même. On est bien. Et quoi? Arrêtez de loucher sur mon camion rouge. Non mais ça va pas, non mais oh, 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 c'est mon camion.